Oui, nous sommes rémunérés pour un travail concret dont nous sommes fiers. Un travail si concret que, contrairement à M. Delevoye, nous ne pouvons pas oublier que nous l'avons fait quand nous avons à le déclarer. Dans beaucoup d'établissements, il y a une grande souffrance au travail. Nous souffrons aussi de l'alourdissement des tâches qui s'ajoutent à notre métier d'enseignant, et nous souffrons aussi d'un manque de reconnaissance. Au lycée, notre avis n'a pas été pris en compte pour la réforme du lycée, qui ne nous permet plus d'assurer un suivi correct des élèves. Notre avis n'a pas été pris en compte lors de la mise en place du plan 4.0, qui est une aberration pédagogique, sanitaire et environnementale. Comment voulez-vous que nous vous croyons quand vous dites que vous allez tenir compte de notre avis? Vous ne nous écoutez pas parce que vous pensez que nous avons des choses intéressantes à vous dire. Vous nous écoutez parce que nous sommes dans la rue et que vous avez peur de la rue. Alors, juste un mot, madame. Vous avez parfaitement le droit de penser que on ne vous écouterait pas suffisamment. Vous avez le droit de le penser, vous avez le droit de le dire, et c'est très bien ainsi. Moi, je considère que c'est important, pas simplement d'avoir des organisations syndicales et de discuter avec eux, mais de multiplier les échanges, exactement comme celui ce soir, et pas un échange en chambre sans personne, une chambre avec des télévisions, avec des radios, qui entendent ce que vous dites, et qui, au-delà de moi qui vous écoute, permettent de diffuser votre message. Et je pense que c'est un signe sur le fait que, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, j'ai absolument pas d'angoisse, ou absolument pas peur de cette réforme ou des réactions. Je vous le dis très calmement, très tranquillement, le président de la République, il s'est engagé sur la mise en place d'un système universel.